On the Road, c'est un projet sportif et social qui a pour but en fait d'initier un groupe de jeunes à la pratique du vélo et avec comme objectif final le BXL Tour, donc c'est une course de 40 km dans la ville de Bruxelles. J'ai été agréablement surprise de savoir qu'on recevait un vélo. On a reçu des petits gadgets comme un cadenas, une gourde et un casque. Je suis très contente de pouvoir utiliser ce matériel pour le BXL Tour. Alors aujourd'hui, on commence par une petite formation pratique et théorique de l'utilisation du vélo en ville. Et chaque samedi, il y aura également une sortie vélo d'une trentaine de kilomètres pour les habituer au parcours du BXL Tour. J'ai un peu peur de faire les 40 km, mais je me dis que je vais faire ça avec mes copines et que je vais bien m'amuser. Je m'appelle Amel, j'ai 25 ans. Je suis 8 fois championne d'Europe et 8 fois championne du monde du Jiu-Jitsu. À côté de ça, je fais des études. Je fais un master en ingénierie et action sociale. Et je coordonne une ASBL qui fait de l'éducation par le sport. De par mon sport, pouvoir transmettre en fait un message qui est super important, c'est que tout le monde peut y arriver, fille ou garçon, et que tout est possible dans la vie, que tu viennes d'en bas ou d'en haut. La dire, elle nous a un peu motivés, elle a dit des paroles qui étaient assez cool, ça fait du bien. Je suis joueuse de hockey professionnelle et j'ai 34 ans. J'ai réussi à faire de ma passion mon métier, un véritable rêve, malgré le fait que ce ne soit pas toujours de facile d'être une femme et de pouvoir vivre de son sport. Mais on laisse tourner en fait le stick dans la main. Vous pouvez essayer si vous voulez. À la fin de ma carrière, je combinais un métier à temps plein, l'équipe nationale, le sport en club et être maman. J'ai dû casser beaucoup de barrières pour ça. Oui, que de toekomst van vrouwensport ziet eigenlijk heel rooskleurig. Ik denk dat de laatste resultaten ook van onze vrouwenatleten, de Belgium Cat, maar ook de Red Panthers of NFTM, ervoor gaan zorgen dat de komende 5 jaar echt een boom gaat gebeuren voor vrouwenatleten, hoop ik. C'était bien organisé. Bah oui, c'était bien, ça m'a donné envie de faire du vélo. C'était une belle expérience, c'était chouette à faire. Même s'il y a des gens, ils diront ne le fais pas ou quoi, parce que c'est un sport pour garçons ou quelque chose. Mais il fallait tout le temps persévérer. C'était cool. BX Tour, on revient la prochaine année.